Alors, je voudrais revenir sur le fonctionnement de notre chaîne YouTube de la subconscience qui atteint actuellement presque 10 000 vidéos. C'est une question maintenant de quelques semaines, même pas, et qui regroupe un certain nombre d'abonnés, etc. Mais il faut bien comprendre que les services que nous rendons aux praticiens de ce que j'appelle la subconscience, puisque c'est le nom de notre chaîne, sont des services qu'on pourrait qualifier de à l'essai, gratuit à l'essai. C'est-à-dire que nous ne demandons pas de contribution au départ pour les interviews que nous faisons, et nous parlons essentiellement des interviews sur salon, sont ceux-là qui nous intéressent. Et nous avons cette population de gens qui sont sur salon, donc qui payent eux-mêmes par ailleurs leur stand, d'une manière ou d'une autre. Et donc ces gens-là, nous les voyons à ce moment-là, nous enregistrons sur place, uniquement sur place, nous n'allons pas les voir chez eux. Donc c'est quelque chose qui est proposé, c'est une opportunité qui leur est proposée parce qu'ils sont là. On n'est pas non plus, on ne les a pas convoqués, ils sont là, on les rencontre. Et on fait un marché en quelque sorte, implicite, tacite si on veut, savoir, voilà, nous vous filmons, c'est gratuit. Maintenant, si vous voulez au-delà de 3 mois poursuivre l'expérience avec nous, eh bien vous nous réglez 30 euros par mois, c'est-à-dire 1 euro par mois, par jour. Et si vous ne le souhaitez pas, eh bien nous supprimons, nous mettons en attente votre vidéo qui ne pourra plus être utilisée ni sur votre site, ni sur aucun support. Et puis, bon, bah, si jamais vous changez d'avis, on la réactivera. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Nous avons quand même plusieurs centaines de praticiens que nous avons filmés, interviewés sur des années, et il est normal qu'il y ait un retour, un feedback. Alors, rappelons quand même que ces 30 euros sont forfaitaires. Ils couvrent l'ensemble des vidéos que nous avons faites pour la personne, pour l'entreprise, celles que nous avons faites et aussi celles que nous pourrons faire par la suite. Donc c'est 30 euros, quel que soit le nombre de vidéos qui auraient pu être faites ou qui pourraient être faites à l'avenir. Mais il faut les régler, et de préférence sur PayPal, à l'adresse téléprovidence@yahoo.fr. Voilà. Vous faites un virement sur notre compte PayPal de 30 euros par mois, ou si vous préférez 90 euros par trimestre, c'est à vous de voir. Bon, maintenant, si vous préférez d'autres formules, vous écrivez. Nous avons d'ailleurs créé un compte Yahoo spécial qui s'appelle subconscience@yahoo.fr, qui ne comportera que les personnes concernées par nos accords en question. Et nous nous permettrons donc de vous relancer par mail régulièrement s'il y a des difficultés. Mais nous pensons qu'en tout cas, il s'agit d'une assurance. 30 euros par mois, c'est un peu le prix d'une assurance. Une assurance qui vous assure un minimum de visibilité, un minimum de fréquentation, un minimum de contact. Et on peut dire raisonnablement que c'est assez facile à amortir. D'autant plus que nous avons de nombreux supports. Nous mettons nos vidéos sur de nombreux supports, sur LinkedIn, sur Twitter, c'est-à-dire même Google Plus va disparaître, mais sur nos différentes pages Facebook, sur nos différents blogs, sur Unblog, etc., et Overblog. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Nous vous contacterons à l'avenir, à partir du mois de cette année 2019. Alors nous n'allons pas revendiquer des règlements pour des années précédentes. Il s'agit de repartir sur des bases claires. Donc les gens qui ont profité jusqu'à présent
que nos services n'auront pas à payer des sommes supplémentaires. Mais désormais, évidemment, ces gens-là devront régler le plus tôt possible, puisqu'ils ont, déjà dépassé très largement les 3 mois d'attente et d'essai. Merci de votre compréhension et de votre participation.